calculer le montant de sa retraite n'est pas toujours quelque chose de très évident. Pour calculer votre future pension, plusieurs critères sont à prendre en compte, tels que l'âge auquel vous voulez prendre votre retraite, votre durée de cotisation ou votre salaire. Autant d'éléments qui vous permettront ou non de bénéficier d'une retraite à taux plein. Attention toutefois, les périodes non travaillées sont également à prendre en compte. Alors pour savoir comment calculer le montant de votre cotisation, voyez tout de suite notre reportage. Si vous êtes salarié du régime général et que vous souhaitez calculer le montant de votre retraite, il faut prendre en compte la durée de cotisation, le salaire de base et l'âge auquel vous souhaitez partir en retraite. La formule de calcul est la suivante. Durée de cotisation multipliée par salaire de base multipliée par taux de pension, le tout divisé par 166 trimestres. Tout d'abord pour la durée de cotisation. La durée de cotisation s'exprime en trimestres. 166 trimestres équivalent à 41 années et demie de travail. Pour calculer votre durée de cotisation, vous devez prendre en compte vos trimestres travaillés, mais aussi les arrêts maladie, les accidents ou maladies professionnelles, les congés maternité ou congés parentaux, le nombre d'enfants que vous avez eus, car si vous êtes une femme, sachez que vous obtenez un bonus de 8 trimestres par enfant élevé. Il faut prendre en compte également le service militaire, les périodes de chômage, les périodes d'intérim, le travail saisonnier ou à temps partiel, ou le travail à l'étranger. Dans un deuxième temps, vous devez calculer votre salaire de base. Ainsi, vous devez faire la moyenne du salaire des 25 meilleures années travaillées. Sachez toutefois que pour chaque année travaillée, le salaire ne doit pas dépasser le plafond de la sécurité sociale, soit 3031 euros par mois pour 2012. Enfin, votre taux de pension dépend de la durée de cotisation. Si vous pouvez justifier des 166 trimestres travaillés, vous bénéficierez du taux plein, à savoir 50%. Si vous avez élevé 3 enfants, vous bénéficierez alors d'une majoration de 10% de votre pension. Toutefois, si vous n'avez pas le nombre de trimestres suffisant lorsque vous atteignez l'âge minimum de départ à la retraite, il y a plusieurs options possibles. Soit vous pouvez travailler le nombre de trimestres manquants, ou vous choisissez de bénéficier d'un taux réduit de pension. À chaque trimestre manquant correspondra une décote. Enfin, sachez que vous pouvez racheter ces trimestres manquants avant votre départ en retraite.